Bonjour, aujourd'hui je vous propose un poulet à l'australienne. Pour le faire, il va vous falloir de la soupe aux oignons. Alors vous la faites en sachet ou vous la faites à la maison. Il vous faut 200 ml de lait de coco, 100 ml de concentré d'abricot. Il vous faut 300-400 g de poulet, du sel, du poivre. Alors normalement c'est des blancs de poulet qui sont coupés, moi j'ai pris des aiguillettes. Donc dans un saladier, nous allons mettre la soupe à l'oignon. Nous allons rajouter les 100 ml d'abricots. Nous allons mettre les 200 ml de lait de coco. On fait préchauffer son four à 150 degrés. On va mettre le sel, le poivre. Et on va tourner. Alors personnellement, je mettrai aussi des petits morceaux de fruits, donc d'abricots en sirop ou de fruits frais pour donner un peu plus de mâche en fait et de couleur. Donc là, vous mettez votre viande dedans. C'est juste pour la tremper un peu. Donc on met toute la viande dedans. Et on va remuer. Quand cela est fait, nous allons mettre notre viande dans notre plat qui va passer au four. Quand notre viande est mise, nous versons l'équivalent de la moitié de la préparation de marinade par-dessus et nous mettons au four 15 minutes à 150 degrés. Quand les 15 minutes ont fini, nous retournons la viande et nous la remettons 10 minutes. Voilà, c'est fini, je vais faire les assiettes. Voilà mes assiettes avec des pommes de terre. Vous pouvez les servir aussi avec du riz et râper un peu de noix de coco par-dessus, c'est super bon. Alors voilà, moi pour la disposition, je mettrai bien des fruits en sirop par-dessus. Merci, abonnez-vous, likez et partagez.